et que le repris. J'avoue que je fais cet épisode juste après le dernier. Parce que c'est encore chose que si jamais j'attends une journée, genre si je le fais demain, enfin le jour d'après pour moi, je vais pas y arriver. Donc là je suis encore chaud. Donc on y va. Donc toi tu faisais quoi? Augmente la vitesse, les dégâts des armes. Les 15%. Ouais, c'est pas mal. Donc je suis allé voir sur internet vite fait. Je me suis pas spoilé par contre la fin ou ce que ça faisait. Ouais, faudra faire ça. Mais c'est bien ce que je disais. Donc il faut bien aller voir la voiture. Donc retuer le monstre, le boss des abysses. Donc en théorie on pourrait y aller maintenant. Enfin pas exactement maintenant, mais oui, très vite. Mais je voudrais qu'on se build un peu quoi. Qu'on ait genre une bonne arme pour commencer. Mais ouais, c'est bien ça. Faire les salles bleues. Après, le boss est pas extrêmement difficile. Attends, excusez-moi. Problème avec ma souris, comme là. Ok. Le boss des abysses est pas extrêmement difficile. Le plus difficile, je vais être franc, c'est y arriver. C'est y arriver. Il faut une bonne arme, il faut qu'on soit un peu buildé en fait. Ok, donc ça. Quoique, attends, je peux le prendre ça maintenant et après on se soigne avec l'autre, je pense. On va zapper. Quoique, on va regarder. Donc, ouais, ça serait pas mal. On a une bonne arme et tout. C'est quoi le piano déjà? Non, ça, il faudrait que je lise les choses quand je ramasse. Ah, augmente les chances de trouver des matériaux, c'est bien ça. Il faudrait qu'on se re-téléporte et après on retourne pour la porte. Téléportation, elle est là-bas. C'était là, c'était ça. Ah, je me rappelle plus maintenant. Je crois que c'est ça. C'est une porte triangulaire, oui. Je sais pas si ça va nous soigner complètement, mais on va voir. Ah merde! Ça va. On n'est pas full vie. C'est emmerdant ça. Il nous manque juste un tout petit peu, c'est pas. C'est emmerdant.
On va essayer de faire pareil, le même système où on... où on touche pas les soins. Jusqu'à ce qu'on soit de nouveau plein. On n'est pas plein. Oui, 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 on n'est pas plein. Je confirme. Je sais pas trop comment on pourrait se soigner par contre. On va devoir jouer jusqu'à ce qu'on trouve un truc. Un système. Il y a la porte. Ah mon dieu, j'arrive pas. Agrippe-toi, merci. Je sais pas trop comment me soigner. Faut vraiment l'augmentation pour détruire les barrières. On pourrait peut-être y aller maintenant. Non. Ah! Ah non, 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 j'ai rien dit. J'ai cru qu'on pouvait sauter. J'ai cru qu'on pouvait sauter et aller dans les abysses. De toute façon, comme j'ai dit, on veut d'abord se stuffer un peu quand même. Alors. Prépare les dégâts. Ouais, non. La sphère. Ouais, on peut faire la sphère. Ah merde, c'est un combat. Non! Saloperie. Dix-neuf. Facilement critique. Celui-là. On va rien dire. On va rien dire. C'est de la merde. AVC qui inflige de très lourds dégâts, tir en mode automatique, héros de la destruction. Ok, ok, ok. On va là-bas. Donc je sais pas comment on va faire pour le soin là, par contre. Qu'est-ce qu'on fait?
Ah, on aurait pu acheter le soin. Merde, j'ai été con. Là, on va pas se soigner, en fait. Ouais, on aurait pu acheter le boost de soin. C'est chier. Ouais, c'est un truc qu'on aurait pu faire. Ah, donc attends, maintenant il est automatique. Oui, ouais, mais ça tire moins vite que... Ouais, c'est pareil au même. Ouais, non, mais c'est mieux pour moi. Beaucoup de soins en fait qu'on peut utiliser pour être full vie, ce serait vraiment bien pour augmenter notre vie au max. Augmente les dégâts des armes, oui. Alors réduit les dégâts de récupération, augmente la probabilité de dysfonctionnement. C'est pas mal. Ça aide de consommer longue chute vous inflige des dégâts. Les consommables ont 20% de chance d'être conservés après utilisation. Ça c'est vraiment 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 utile. Le problème c'est les chutes en fait. On va continuer. Ça va. Même si j'appuie, c'est le même. Plus ou moins la même vitesse. Attends. Rempli. Ok. Après, si on a que du combat, je vais être dans la merde parce que je suis un peu bas en vie en fait. Ça peut être dangereux quoi. En plein emplacement. Très bien. J'avoue qu'il faudrait peut-être que les trucs restent plus longtemps en fait. Les pierres là.
Alors. Amplificateur de soins. Ah! Ça, ça peut être intéressant. Combinaison de tir des projectiles. C'est pas si mal, ça aussi. Une intégrité modérée. Voilà. Demi-tour. Demi-tour et on va récupérer tous les soins qu'il y a. Téléporter en arrière, je crois. Ouais, honnêtement, c'est la meilleure des façons hein, pour augmenter notre vie. C'est violet. Ça c'est un machin. Là peut-être. Bon, le problème c'est que ça nous fait... J'ai cru qu'il y avait une statue avec des yeux dorés là. Ça nous fait revenir sur nos pas et tout, mais bon, c'est comme j'ai dit, hein, on est arrivé à 300% le dernier run. Je peux même pas dire le dernier cycle, parce que techniquement c'est le même cycle, on n'est pas mort. Mais voilà, quoi. T'as 300% de vie. Qui est donc bien le maximum. Et là, on devrait avoir... C'est derrière une... Ouais, c'est derrière une barrière. Par qu'on achète le machin là pour couper les barrières. Aïe aïe aïe, la carte! Dans le bassin, là, il y a deux soins. Ah non, c'est peut-être pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Pourquoi il montre du soin?
Ça va. Donc il me faut un parasite. Parasite et une relique. La relique c'est bon, on va en prendre une maintenant. C'est quoi qui est considéré long? Le truc qu'on peut faire, c'est s'enlever les parasites. Ah, on peut les détacher. J'aurais dû peut-être passer... Ouais. Ça va. Normalement, là, on peut enlever les parasites, hein. Oui. Et on a même un objet par terre où on peut aller les retirer. Donc, ça tombe bien. Quand on sait un peu où sont les choses, parce que ça, c'est des choses fixes, en fait. Donc, j'avoue que c'est utile. Ah, est-ce qu'on a enlevé le bon? Augmente la brevité de dysfonctionnement, réduit le délai de récupération des tirs. Oh non, c'est bon. En plus, on a enlevé le bon. C'était quoi l'histoire du piano, là? Ils ont mieux valu qu'un certain monstre ne voit jamais le joueur. Mère a menti à propos de la joue. J'ai bien envie de l'enlever, lui, parce que c'est vrai qu'il nous aide pas énormément en fait. Parce que 3 secondes, enfin sur du secondaire, bof. Nickel, 52. Donc là, c'est les abysses, donc on peut directement aller dans les abysses. Ça, c'est la glace. J'avoue que j'aurais mieux... J'aurais préféré jouer dans le désert, parce que le désert, c'est cool. Bon. Maintenant, c'est trop tard. On va pas recommencer. Alors, disperseur, exception rapide, balle, surprise, bâtiment critique. C'est quoi ça? Balle, surprise? Oui, c'est le tir.
Bah là, on a facilement critique 2, c'est pas mal. Putain! Oh, tu détruis ou merde? Apparemment non. Bon, on a... Que je réfléchisse, on peut directement aller dans les abysses, on n'a pas besoin du boss comme j'ai dit. Le boss va nous donner des éthers et je crois aussi un... Un artefact. Donc c'est intéressant de faire le boss. Alors, on va faire les boucliers jaunes qu'on n'a pas fait. Après le boss du piano, c'est pas extrêmement difficile, mais bon, on n'est pas vraiment très bien équipé non plus. Le problème c'est ça, c'est qu'on n'est pas super bien équipé pour le moment. Alors là, en haut, il y avait une barrière. Nickel. Vas-y. Le chute inflige des dégâts. Encore ? Bon, faut juste trouver une relique. Si jamais... Pardon. Si jamais je tombe et que je fais un dash pour amortir la chute, ça marche ou pas ? Ah. Non merde, quel con. Quel con. On va prendre le téléporteur. J'ai pas envie de le savoir ça. Hop. Trouver une relique, c'est un peu compliqué par contre. Attends, 10, qu'on recharge. Ah, ça c'est vachement bien ça. Bon, on a. Pour le moment, on a un peu bloqué notre. Notre boost de HP pour le moment. Le rechargement, c'est vachement bien. Nickel. La surcharge, vous infligez des dégâts. Ah bah super. Ramasser un parasite. Bon, ça va, on est à 280. On devrait pouvoir
trouver assez pour... Pour... Ça s'appelle pour... Les 25%. Alors, lanceur avec pourriture caustique chambre. Mais merde, quel con! Ouais, non, on va rester avec ça. Voilà, j'ai merdé mon bouclier, c'est bien. Augmente l'efficacité des améliorations d'intégrité max. Augmente. Quoi? Prochaine chanson. Ok, parfait. Genre quand on augmente avec les pierres, ça augmente pas encore mieux, c'est ça? Genre n'importe quelle augmentation, c'est ça? Pas sûr. Les surcharges réussies. Non. Même pas dans l'ordre. Permet une attaque de mêlée. Non. Augmente l'efficacité des améliorations d'intégrité max. Bah ouais. Ah ou alors non, c'est peut-être les 25%. Ça passe en, je sais pas, 30. Ah, j'ai pas vu si ça, si c'était mieux qu'avant ou pas. Pas regarder. Ok, on est bien, bien, bien. Je vais un peu vite, hein. Je parle pas trop du tout, je suis un peu concentré. Je suis en train de réfléchir sur quoi faire. Trois éthers pour les enlever, non. De toute façon, on a 360, donc on peut se soigner. Ah oui, non, c'est ça que je voulais regarder, c'est les équipements. Donc on a un portail, une explosion d'air qui transforme un projectile et augmente l'efficacité. Okay. Je l'utilise le projectile là. Quatrième éclat. Barrage, ça m'intéresse pas. Procéder à l'adaptation de mécanisme, non, non, c'est pas vraiment intéressant. Là, il y a pas d'objet. Oh. L'astronaute au-dessus. Ah oui. C'est marrant ça. Je l'avais fait, non? Non, je l'avais pas fini. Hein. Un être qui me ressemble. Comment ont-ils reproduit mon apparence aussi parfaitement? Avec ton casque. Ah oui, on voit le petit bidule là qui bouge autour du casque et tout ça. D'accord. Ouais, enfin ils t'ont reproduit, ils ont reproduit ta combinaison. Surtout, bon après, hein. Voilà, mais oui.
D'où tu m'as touché, quoi. Non. Je suis un peu deg qui m'est touché. 1, 2, 3, 4. Taux de maîtrise, non, c'est pas intéressant. Alors, ce qu'on peut faire... On va tenter un truc. On va acheter l'augmentation de soins avec l'objet activé, là. Pour voir si ça soigne un peu plus. Ça serait vraiment bien que ça marche sur ça. Genre ça, là. Augmente l'efficacité de réparation de combinaison. Parce que si ça me met que 25% en plus parce que ça augmente 25%, bon, voilà quoi. Ah par contre j'ai pas regardé si c'était pas plus. Est-ce qu'on est plein de vie? On est full vie! On est full vie. Parce qu'on avait vu que ça, ça augmentait pas full vie, hein, si je dis pas de conneries. Hein. Ou alors je dis des conneries, peut-être. Je m'en rappelle plus. Enfin bref, on l'a fait. Non, on va pouvoir augmenter notre vie. Ouais, j'ai l'impression que ça augmente plus. Hein. En tout cas, quand on ramasse de la vie par terre. Mais j'ai pas regardé si c'était 25 ou si c'était toujours 25% en fait. L'achat, je pense. Alors, très bien. Donc techniquement, on a encore le boss. On a une porte là. Là, on a des pièces. Là, on a soin pourri. Elle est jamais fatiguée de courir, c'est ouf quand même. On a 23 éthers, mais je vais les garder. Les éthers, c'est quand même vachement intéressant de les garder. Hein. Donc on va les garder pour le moment. Bon ben on peut faire le boss. On peut faire le boss, c'est bon. Bon, on n'a pas de soins. Mais on est full vie et on est à 100, sûrement 60%. Donc bon. Je pense que ça passe, quoi. Voir un peu le parasite, ce qu'il fait. Ouais, 12 secondes de plus, ça va. Mais ouais, après, comme j'ai dit, on peut ne pas le faire et passer directement aux abysses, mais bon. Ça, oui, non, c'est quand même une bonne récompense. J'espère que ça va bien se passer.
Wow. Allez. Je vais utiliser ça. Ça peut peut-être utile aussi. J'espère que je vais pas me louper parce que sinon on aura fait tout ça pour rien. Et j'ai pas de deuxième chance. Je fais vraiment de la merde. Non mais... Oh la vache, j'aime pas le piano. Tout ça pour rien. Cette fois, je vais réussir. Je le sais. Quasiment une heure pour rien, quoi. Ah, on peut aller dans les abysses. Ah merde, on peut peut-être pas aller dans les abysses, en fait, avec cette variante. Cette variante. Ouais, non, ça sert à rien, ce que je fais. Strictement à rien. On est reparti, désolé. Oh la vache!
Ça, ça me gave. Que ça soit vraiment très très bon, très très bon objet. On s'en sort de conserver une clé après utilisation. C'est de la merde, ça va pas m'aider ça. Bien, bien. Oh là là. Je suis dégoûté, j'ai plus envie de jouer là. Et je viens d'utiliser 10 éthers pour de la merde aussi, ça c'est le top ça. Je crois que c'est ça le pire, genre 10 éthers pour un objet vraiment de merde. Oh la vache, super. Vas-y. Immunise contre les effets de ralentissement. Oui, ça, c'est bien ça. Je vais faire la gueule. On a du soin, il faut qu'on se soigne, je sais pas comment. Bah, de toute façon, je sais pas comment pour le moment le moyen va se présenter à nous. Ah, ben voilà, c'est ça. On va-tu casser quelques œufs. Ouais, là, c'est le côté relou du roguelike. Hein. J'ai envie de dire, ce jeu, honnêtement, il n'a pas besoin d'être un roguelike. Enfin, après, je comprends que c'est le... Enfin, non, ouais, c'est le cœur du jeu, de toute façon. Enfin, c'est le cœur même de l'histoire, le fait de revivre et tout ça.
Ok, bien. On a encore une créature qui vole, je crois. Ça y est, on s'est full soigné. Bon, là, j'avoue, le fait d'avoir cette relique, déjà... ça assure pas mal de choses. Le fait de se soigner avec 5 d'adrénaline, là. Enfin, le tir d'adrénaline... je sais pas vraiment comment ça fonctionne. Mais ça va aider. Est-ce qu'il nous en manque des choses de... oui, derrière. Bon, ça va. Ça va, ça va. Pour le moment, ça va. On reste motivé. C'est un bon objet. Apparemment, je voudrais bien une meilleure arme. Ça, c'est toujours mon arme de début, hein. Donc, ouais, elle a rien de... elle a rien débloqué, en fait. De projectiles. Non. Je veux bien faire la combinaison, mais je veux la faire avec une arme. Même si, bon, elle se débrouille bien. Hein. On a le héros, là, de la boule, là. Mais bon. Très bien. Il va me rendre fou, ce jeu. Je crois que après ça, je vais bien arrêter. On n'a pas de clé. Une fois qu'on aura la vraie fin, j'imagine, on arrêtera. Ouais, bon, c'est mort. Ok, on a récupéré pas mal d'éther. Si on avait une super arme avec ça, c'est pas mal. Moins nécessaire pour augmenter le niveau d'adrénaline. Ok, très bien. Attends. Ça, du coup, est-ce que ça, c'est bien pour nous soigner? L'élimination moins nécessaire, augmenter le niveau d'adrénaline. C'est ça que je comprends pas. Est-ce que ça peut... comment on dit fonctionner ensemble, symbiose. Je pense. Par contre, on a toujours pas d'armes.
Ah, attends, c'est... Ce coffre, il est pas corrompu. Alors... On a le disperseur avec brise-bouclier, balle surprise, attiédissement, expulsion rapide. Confère une chance de récupérer projectile. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas. Ouais, par contre, on n'a pas le tir, en fait. Il est en niveau 2, donc... ouais, ça va être chaud. Le laser, là. Là, on a vraiment de la chevrotine, quoi. C'est bon, on a une clé. Pour être honnête, on va peut-être pas faire le boss cette fois. Enfin, on le fait honnêtement si jamais on a du soin et tout. Mais avant ça, non. Augmente la chance de trouver des matériaux sur les ennemis. Ouais. Ouais. Ouais, ça je. Ouais, on fait le boss vraiment si on a du soin. Pas sans soin. Alors, on va voir, c'était ouf. C'était là. Derrière moi. On a la combinaison à faire ici aussi. C'est là. Alors, on peut voir si la clé on la garde. Lol, on l'a pas gardée. Ça sert à rien cette augmentation. Alors c'est quoi, 75% de chance? Non, 25. En plus tout ça pour un truc cassé en plus. Super. Bon, il y a de l'argent au moins. En plein emplacement. Je pas empêcher le fonctionnement, puis se détache, fait des dégâts d'intégrité en se détachant. On a un bouclier, donc en théorie, il devrait pas nous faire de dégâts, je crois. Ok, ça a marché. Il y en a un autre. Non, il nous a... Non, il nous a défoncé la gueule, même avec le bouclier, ça passe à travers le bouclier, d'accord. Merde. Oh la vache. Ouais, alors bah c'était une bonne clé de merde. Là je... Bien. Bien, bien, bien. Là y a rien à dire, c'était une bonne clé tout pourrie. Aïe aïe aïe. On a utilisé une clé, on a perdu de la vie, on a... oui, je crois qu'elle a augmenté du coup parce qu'on a, on a récupéré le... Voilà. Voilà. On a perdu de la vie quoi.
On va pouvoir peut-être régénérer en faisant des kills avec l'adrénaline. De l'arme est pas mal. Sans su d'adrénaline activée. Attends, un truc que je vais peut-être faire maintenant. Ah non, il n'y a pas le truc de l'épée. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'on a plus le tir. Ah mon dieu, je me suis bloqué. Ouf, 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 ouf. On avait un truc à revenir, je sais plus. Ah mon dieu, j'ai oublié. On devait faire quelque chose avant de progresser, que j'ai mis de côté. Mince. Oh, j'ai mon cerveau qui marche plus. Quoi. Ouais, on s'est soigné, ça va, c'est cool. Carabine. Ah, héros de la destruction 2. C'est bien ça. Oui, on a un brise-bouclier. Ah, il nous faut ça quand même. Ok. Ça, le oui, voilà, c'est ça qu'il nous faut. C'est ça que je veux faire. La tenue. C'est où? Ça fait des dégâts le brise-bouclier ou ça brise juste un bouclier en fait? Oh là là. Oh la vache. Pistolet. Le rayon du néant est tir chargé. Cadence de tir. C'est de la merde quand même. Enfin, ça sera bien quand on aura fini la balle surprise là. Niveau 2. Parce que c'est vrai que là on lutte aussi. Oh, c'est quoi ce lag?
Téléporteur. En théorie, quand on sera à la balle surprise, on va faire mal. Ça me permet de tirer de très loin. Allez, porte. Porte suivante. Ça, je vais faire. Le faire tomber. Okay. Merde, c'est les pièces. Non, on a merdé les pièces. Alors, la traque est vidée, la visée mortelle 2. Ah, ok. Parce que c'est trop chiant en fait, je suis d'accord. Bon, on l'a un peu augmenté, c'est bien, la visée, le truc laser 2 là. Ouais, là ça va être mieux. En plus, on passe à travers et on fait du shrapnel. Transpercer surface et projeter des éclats à l'impact. Ok, c'est un peu mieux déjà. On a un tir précis. Oh la vache. Donc On a eu détruire le bouclier évidemment. Te bloque pas, te bloque pas. Non! Okay.
Suivant. Oh la vache. Pratique, hein. Vol de protection pour le vassal. C'est quoi ça? Les tirs réussis confèrent de la protection supplémentaire à leur retour. Oh. Non mais par contre les dégâts c'est un peu pourri. Bah, je vais être honnête, le nôtre il fait pas beaucoup de dégâts non plus. Hein. Alors, fais-moi rire. C'est du mêlée, on s'en fout. Alors, essaim de tracker avec le lanceur, grenade de chambre agrandie, projection rebondissant, fusil à tête chercheuse. C'est quoi ça? C'est le lance-grenade, ça? Ah, c'est le lance-grenade. Peut-être, oui, ça nous permet de tirer un peu n'importe où. Les trucs, ils rebondiront sur les ennemis. On avait testé ça. Pas mal. Ouais, c'était bien. C'est bête parce que je voulais vraiment finir en fait cet épisode avec la fin du jeu, mais je sais pas si on va y arriver en fait. Augmente les dégâts des armes. Là encore une fois, on n'a pas de soins et on n'a rien pour casser les barrières, tiens. On a strictement rien pour casser les barrières jaunes. Embêtant ça. Après on a quoi, un essaim, donc on ne va pas pouvoir détruire les... Bah, les dégâts sont là. Les dégâts sont bien là quand même avec ça. Ça marche bien. Il y a un objet là ou un truc. Oui. Recycle une arme proche. Ça va, on se soigne et tout avec l'adrénaline, ça c'est cool.
On est déjà venu dans une dans cet endroit-là. Je pense, hein. Mais ça me dit rien. Je sais pas ce que ça va être, chambre agrandie, juste plus de munitions. Ça, hop. Nickel. J'y crois pas, on s'est remis full vie quoi. Oh. Ah tiens, on a exactement le même mais en mieux. Enfin, non, différent. Délai d'explosion plus rapide. Un peu moins de rayons. J'y crois pas qu'on ait réussi à se remettre full vie alors qu'on était très bas. Ah oui, non, par contre, j'ai pris un soin, je crois, sur le chemin. Ouais, je crois que j'ai pris un soin. On monte la protection. Alors maintenant... C'est quoi ça? Putain, je fais parasite. Que fait-on? Blue Abyss? Ou pas? Que la bise ça va être... Ouais, je sais pas. J'ai envie de dire, notre arme elle est potable. Attends, qu'est-ce qu'on fait là? Oh, la musique! C'est... Don't Fear the Reaper, je viens juste de capter. Ça, je me disais, putain, mais je connais cette mélodie. Ouais, c'est Don't Fear the Reaper. Je suis sûr... Oui, c'est dans sa tête tout ça en fait. Ok, on a encore des emplacements. Putain, c'est quoi déjà le nom de la... du groupe?
Ah non, non, c'était Rogue Blue Osterkult, ok. Ouais, je m'étais gouré quand j'avais dit le nom du monde. Du coup, on a augmenté notre vie. On a quoi là-haut? Ouais, on va faire l'autre porte. Ouais, j'avais dit le nom d'un autre groupe quand je l'ai entendu au début. Alors, c'est quoi ça? Alors, attention, parce qu'il faut pas passer à travers. Bon, il n'y a plus personne. On est à 30 en machin. Donc on va pouvoir prendre un peu de vie ou un truc qui prenne. Là, genre là-haut par exemple. Voilà. Ah! Ah oui, 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 on peut utiliser ça, on peut faire le boss et utiliser ça. Alors, le lanceur thermo. Méga roquette! Qu'est-ce que c'est que ça? Des trucs qu'on connaît pas. Méga roquette. Tire une roquette plus grande et plus lente à la place de la salve normale. Je vais être honnête, j'ai bien envie de savoir, de voir la gueule que ça. Hein. Ouais, pour être franc, j'ai bien envie de savoir. Ouais, on va utiliser, c'est toujours 6. Pourquoi 6? Pourquoi pas 5? Pourquoi c'est, faut que ça soit un pair? Pas un pair. Enfin, dans les jeux, ça a plus de sens de faire 5, 10, 15, vous voyez ce que je veux dire? Pas 2, 4, 6. Je vois pas pourquoi 6. Enfin bref. Mais ouais, la mélodie qu'elle chante, c'est Don't Fear the Reaper, du coup. Putain. Je me demandais à chaque fois, j'ai... Combinaison... Oh la vache, non. Oh mon dieu, il y en a 4. Ils sont derrière moi, les autres. Ah, tu as pris une baffe, toi aussi, tu t'apprendras. Ok. Brise bouclier, projectile rebondissant 3. Non, on vient juste de débloquer le 2 en plus. Non, on vient juste de débloquer quoi? Je sais pas. Chambre grandie. Oui, 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 oui. Chambre en diff, tête chercheuse, projectile rebondissant 3, on est à 20, pareil, avec plus de rayons et de délai. Non, mais je préfère les dégâts, ça va. Let's go.
bien te permettre. Tu t'y attendais pas, hein, à la... Ou headshot, tir chargé, là, saloperie. Mine. Les dégâts modérés, ça marche. Ok, alors attends. Les dégâts modérés... On est dans la merde niveau soins. Oh, on peut combattre et normalement on devrait pouvoir se soigner. On vient de se soigner full. Tété. Laisse-moi dans ma folie. Ah, maintenant j'ai Don't Fear the Reaper en tête. Je vous dirai quand on entend la mélodie là. On l'entend pas tout le temps, mais souvent. C'était les deux, très bien. On est à quel... Ouais, on est à 1h30. Jamais on finira, putain. Non, merde. Ouais, on est obligé. Jamais on finira maintenant, ça sera au prochain épisode, je pense. De dégâts supplémentaires aux ennemis dont la jauge de santé est basse. Ouf. Ok. Ok, c'est... Ouais. Ça peut faire très mal. Ah, j'aurais dû regarder pour ça d'abord. Donc on a un soin ici. On va pas le prendre. C'est là. C'est ça. The Don't Fear the Reaper. Nickel.
Et on est full vie. Merde, attends, c'était où? En face à droite. Bon là on a une meilleure arme hein, quand même. On avait quoi la dernière fois? Le truc acide, je crois. Oh, l'empaleur. L'empaleur, j'aime bien. Le bon, je l'utilise jamais. Parce que c'est pas très intéressant. Dis-moi que c'est de la vie. Convertir les amis ramassés en intégrité. Non, c'est pas de la vie. Eh, on est à 21 déjà en armes. Le max est 30. Hein. 23. Exterminateur. Ça aussi, c'est pas mal, mais... Exterminateur, c'est quoi? Augmente les dégâts des réseaux quand les PV des ennemis sont bas. Ouf. Ça, on avait vu que c'était bof. L'épée fait plus de dégâts aussi. Ouais, off. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien cette arme, hein, mais faudrait débloquer l'extermination et tout. Ouais, c'est beaucoup de boulot pour beaucoup de danger en fait. Ah ! Conserver, yes ! Oyster Cult pour Don't Fear the Reaper. C'est vieux. C'est vieux tout ça. Augmente le taux de maîtrise. Utiliser la clé pour les dégâts. On peut garder le taux de maîtrise, parce que du coup c'est lui qui reste. La clé atropienne vous inflige des dégâts. Ça peut... Maintenant c'est pas mal. Si on peut directement, enfin, très vite passer à 30 et qu'on tombe sur une arme 30, c'est tout bénef pour nous en fait. J'ai envie de dire. Manque le taux de maîtrise de 15%. Ah, mais là, c'est moins intéressant parce que ça coûte cher. Je crois qu'on est au boss. Je crois que c'est l'heure du boss. Alors, fais voir toi. Donc on a ça. Quand tes dégâts les armes 5% par niveau d'adrénaline. Oui, ça aussi. J'ai réussi à créer deux projectiles. Ah oui, sort, ça fait 3. 4, 5, 6, 7, 750. Mais du coup, on n'aurait pas ça. Donc, il nous faut ça aussi. Ouais. Et il y a le soin aussi, qui peut être intéressant. Ah oui, non, mais c'est un grand, pardon. Alors le 250 pour ça, ou alors on augmente les dégâts des armes avec l'adrénaline. 3, 5... Non, il me manque à peine.
J'ai envie de prendre ça. Parce que, je vais être honnête, ça, ça nous a vachement aidé dans les abysses. Qu'il y a plein de petites choses qui volent, là. Enfin, qui nagent, plutôt. Et ils ont genre un HP. Ils meurent instantanément. Mais par contre, les machins, il y en a 3 milliards. Et c'est très chiant. Donc, j'avoue que pendant qu'on recharge, on est très... à la merci des bestioles. Il y a des soins partout, c'est marrant. On est très à la merci des bestioles. Et quand ça fait un laser, en fait, enfin deux lasers même, et que ça les tue instantanément, c'est vraiment très très utile. Attends, t'as quoi toi? Le tir secondaire, c'est... Ah, c'est les saints trackers. Okay. Je pensais que c'était le sniper. Vous voyez le laser? Ça m'a aidé là. Après, je suis sûr qu'il y a des super hardcore qui peuvent faire ça avec le pistolet, hein, vu qu'on a un pistolet à chaque fois devant les boss. Mais ouais, non, moi je suis pas comme ça. Moi. Alors là, on peut faire ça. C'est la glace, et là-bas, c'est les abysses. On peut faire la glace aussi. Maintenant que j'y pense, c'est vrai. Parce que la glace aussi est pas mal. C'était quoi le boss déjà? Je me rappelle plus. Alors, il y a le piano. Il y a Némésis, c'est celui qui flotte dans la tour. La glace, ça fait quoi? Ah, clé conservée. Bon, ça va, ça commence à être bien. Ok, attacher ou détacher des parasites augmente le machin. Est-ce qu'on n'a pas des parasites qui traînent maintenant dans le coin? Disons, quelle gueule les parasites? Ce serait bien qu'ils mettent... qu'ils mettent les parasites. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui traînent. Donc on pourrait les prendre et après les... les vendre. On a assez pour acheter une des choses que je voulais. La musique là qui fait au piano, c'est pas Don't Fear the Reaper tout aussi?
Genre ça augmente les dégâts des armes. 5% au niveau. Ouais. Très puissant. Vous savez quoi, j'ai envie de faire un tour pour voir si on n'a pas des parasites qui traînent. Comme ça, on met toutes les chances de notre côté. Je sais que ça va être un peu long, mais de toute façon, on va pas le finir. On va pas finir le run là. Hein. Là, on fait pas les abysses en 20 minutes. Hein. Quoi, j'étais pas full vie? Putain, mais en plus je l'ai lu, répare. Oh débile. Ah, attends, ça t'augmente le max, mais ça te... What? Ça t'augmente le max, mais ça te soigne pas, en fait. C'est bien, augmente le max, hein. Que je fasse pas de conneries, que je fasse des trucs qui servent à rien. Augmente, attacher ou détacher des parasites augmente l'intégrité max. Ouais, non, c'est bon. Il y a un truc là. Ah oui. J'espère que c'est pas du combat. Oh mon dieu, ça va être du combat. Ah non. En force effet positif des prochains parasites. Oh, super. Oh merde. Mais bon. Qu'est-ce qu'il fait mon parasite? Parce que je fais pas attention. Les ovillages restent en... Ouais, ok. Augmente grandement le délai, oui. De du mêlée et du dash. Ok, ça marche. Je vais pas faire de la merde. Ah, ça m'embête. J'ai utilisé de l'éther pour... pour me soigner en fait, tout simplement. Ah putain. Ah, c'est pas un parasite. Ah, attends, il y a un truc à écouter. Je ne peux me repentir. Alors j'accepte. Quand j'étais sur le bord de la route, agonisante, j'ai compris la vérité. C'est ici que je suis chez moi. Le foyer que je cherchais désespérément, il est ici. C'est ma place, parmi les étoiles. Je vais rester ici, désormais. Hein.
agonisant sur le bord de la route. Moi, je pense depuis le début que elle, elle a pas pu sauver son enfant. Moi, je pense à ça hein, depuis le début. Oh mon dieu, le coup d'épée, le temps qu'il met pour revenir, c'est fou. Moi, j'arrête pas de penser à ça, hein, qu'elle a... Elle a pas pu sauver le gosse et maintenant elle, elle est partie dans un bad trip. Mais bon, moi je prends maintenant tout le reste nous fait croire on va dire qu'elle est morte aussi. Hein. Bon, on va avancer parce que je trouve pas d'autres parasites. Je peux utiliser des éthers juste pour avoir encore un peu de vie. On était à 2 sur 3. Bon. On va prendre le TP. On va s'enlever ce parasite et on fait le boss. De toute façon, j'ai activé le recréateur là. Hein, d'accord. Alors fait, écoutons la musique. Fais voir ma vie aussi si elle monte. On a été soigné là, enfin boosté, il y a eu l'effet. Ouais, on a plus de vie. On a un tout petit peu plus de vie, mais ça soigne pas, donc ça faut faire attention. Je pense pas que c'est Don't Fear the Reapers. Après, peut-être que ça s'est modifié. Hein. Bon. Ah, tiens, on l'entend au fond. Bon, on est prêt. On a du soin cette fois. Si c'est ça, je pense hein, modifier, mais c'est ça. Hein. J'en sais rien. En fait. Mon rechargement, c'est compliqué. Ah merde. Oh là là, oh là là, oh là là, mauvais cycle.
encore de la vie, c'est en 3. Je sais qu'il y a d'autres musiques hein, qui sont bien, des 70s, hein. Des 60s. J'avais pas vu ton nom, Hyperion. Augmente les dégâts des armes de 5% quand... Ouais, c'est pas top. Je vois un peu les bandes de données, c'est vrai que je les regarde pas. Enfin, je les regarde plus plutôt. Les boss, ils sont là-dedans ou pas? Journaux, chronoglyphes, c'est noir. Algos, Piliode. Il est où? Peut-être c'est pas là. Ah, Hyperion. Terreur indéterminée. Envoyez un signal crypté. Des sirènes dans mon sommeil, le fantôme, espère pouvoir le briser. Étoile, champ des sirènes, incompréhensible, tiens bon mon soleil. Erreur de boucle. Élimination 3, tué par 3. Progression de recherche. Comment on fait des recherches? Alors. On va arrêter l'épisode ici. Alors maintenant, la question c'est est-ce que. On va dans les abysses ou on fait le froid? Est-ce qu'on est ok? On est à être quasiment à 200%. Protection 10, 16% des armes. C'est pas top top. Bon, après les reliques, ça va, on gère. Je pense qu'on peut le faire. Ah, j'aimerais bien quand même aller aller faire la glace en premier. Peut-être pas la glace entière. Mais quand même la glace quoi. Parce que j'ai pas envie de me louper en fait. Parce que si on se loupe. Si jamais on meurt. Ça va nous foutre dans la merde. Bah non, enfin non, non. C'est juste que j'aurais perdu genre encore une heure quoi. Et puis après on peut repartir directement dans les abysses. Donc, ouais. Donc on va faire un peu la glace. Protection 10, ouais non, en cas d'intégrité bas ou en taux de maîtrise.
on n'a pas de cube. Je vais voir un peu la porte bleue. Et on va s'arrêter là de toute façon. Ah super, j'adore ce passage. Bon, la première vis quand le tir secondaire est en cours de recharge. Non, mais on n'a pas besoin d'armes. Là, on est d'accord, ça peut être qu'une arme. Oui, non, ça peut être qu'une arme. C'est des. Ah, ta mère. Oh la vache, les dégâts. Alors du coup ça a pas changé l'objet. Non, c'était dans l'autre biome qu'on avait ça. Ouais, du coup c'est pour ça qu'on l'a là. Ok, ça marche. Et il nous faut 325 pour augmenter encore la vie. Ouais, non, on va faire ça. Attaque? Non. Dégâts au retour de... Non. Ah putain. Mais merde. On aurait pu en faire plus. Ok. On fait cette salle. Comme ça, si jamais je meurs, je m'énerve bien et on s'arrêtera là. Si on gagne, on s'arrêtera là aussi. Va falloir qu'on se soigne en combattant. Très con ce que je fais. Ouais, non, j'ai fait de la merde. Tout ça pour ne pas utiliser de soins par terre. N'importe quoi. Non, voilà. Tu as été sûr. Mais dans un sens, je me suis dit, on va le garder parce que on va pas faire le niveau entier. On va juste le faire un peu, genre histoire de monter. De monter tout ça, donc dans un sens je voulais pas utiliser mes armes, parce que genre là par exemple on peut déjà acheter le 25% de vie si on veut. Non, nique-toi.
Je vais rester près des soins parce que merde. Bien de fermer. C'est même pas fini, putain de merde. Oh mon dieu! J'ai niqué tout le run! Waouh! J'ai niqué tout le run! Waouh! J'ai niqué tout le run! J'allais récupérer le soin, hein, le truc qui s'est téléporté sur moi. C'est moi ou ça devient de plus en plus cher? J'ai baisé tout le run, c'est bien. Allez, bon. Ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Du coup, cet épisode, il sert strictement à rien, je crois bien. Je crois qu'il sert strictement à rien. Je sais même pas si je le mettrai. C'est bien. Bon, on doit toujours aller tuer les abysses. Ouais. Peut-être que je le retirerai en fait, cet épisode. Je sais pas. À la prochaine. Ciao.